Hi, this is Freddy from Switzerland, this time out of Strasbourg with a short interview of Grind Tactical Knives, a very, very interesting and pretty well-known French maker that does some amazing stuff and that I was lucky enough to actually pick up a knife from here at the show. And now let's take a look at the maker and what he has to talk about regarding the knives that he makes. Bonjour, je m'appelle Thomas, je fais des couteaux depuis 2016. Je faisais des couteaux fixes de 2016 à 2017 et en 2017 j'ai commencé les couteaux pliants. Je vais vous présenter un des couteaux pliants qui était disponible pendant le show. Alors on est sur un Spirtex Mall avec une lame en 100 mailles avec un corps en CTS XHP qui est fait par Chad Nichols. Un micartac green canvas micro billet pour un aspect mat avec une vis customisée, un clip en titane, un backspacer dans le même micarta, monté sur roulement céramique avec une bille de rétention en céramique. This is actually mine, so I was very lucky to actually score this, and it will look great with my gear tag from Dr. Franke. It's also a very special model from GTK Knives. And how was the show for you? Strasbourg, c'est vraiment un très bon salon qui réunit beaucoup de passionnés. J'ai plus de custom, tous les custom sont partis, donc on a passé un super salon. Et je remercie ceux qui sont venus et qui nous ont pris des couteaux. Alors ça, c'est une collaboration avec Max Knives. C'est une version industrielle d'un balisson que j'avais fait en custom à la base. Donc avec les plaquettes en fibre de carbone, les platines en titane, le latch. Avec une lame en D2, avec ma rainure qui est propre à mon identité. Donc, avec mon logo et le logo de Max Knives, la compagnie qui a fait le couteau. Ça, c'est disponible de votre website. C'est disponible non pas sur le site internet par rapport aux politiques du balisson qui est un peu compliqué. Il faut m'envoyer un message, un mail, un DM sur Instagram pour en avoir. La version carbone est à 249€ et la seconde version en G10 est à 199€. And you also have a fixed blade to show us? Yes, oui. J'ai fait récemment donc un couteau fixe mid-tech. 70% du travail est réalisé chez nous à l'atelier. Et on sous-traite les moutures et la trempe sur le couteau. Tout le reste est fait à l'atelier et l'étui est réalisé par un artisan dans les Pyrénées, Pyrénées-Tac, pour le Kydex. And the steel, la lame est en RWL34, 3 mm d'épaisseur. On est sur un couteau qui fait 18 cm pour 7,9 cm de lame et un poids de 68 grammes. Very lightweight. La plate semelle est évidée. Ah, dans l'intérieur. And these are limited? So 85 pièces. And you also have some nice hanks? These are made by you? Or by my wife. Ah, so these are made by his wife. And when you get custom, you actually get one of these cool hanks as well. You actually can choose one. He also has some knucks as well in G10. And also like a large
knock, so if that's legal where you live, this is a pretty lightweight version that you can get. Also two colors right there. So very cool stuff, and I'm super happy I actually could get one of his customs. And check him out on Instagram, and everything will be linked down below.